Salut à tous, c'est RetroGreg et bienvenue pour cette nouvelle série de Let's Play consacrée à Castle of Illusion, donc sorti sur Master System en 90, un des jeux cultes de mon enfance sur lequel j'ai passé de nombreuses heures. Donc là, le petit narrateur qui nous explique qu'il faut que je trouve les gemmes de l'arc-en-ciel, enfin les joyaux de l'arc-en-ciel afin de pouvoir le créer. Et voilà, il nous explique aussi qu'ils sont... j'ai lu un peu vite, mais voilà, qu'ils sont protégés par les maîtres des illusions. Et donc le but, ça va être d'aller trouver tous ces gemmes pour créer un arc-en-ciel et aller sauver Minnie, donc qui s'est fait kidnapper par Mizrabel, comme on l'a vu dans l'intro. Donc voilà, contrairement à la version Mega Drive, on a le choix des niveaux. Donc il y en a 6 comparé à 5 dans la version Mega Drive. On va choisir dans l'ordre, tout simplement. Voilà, donc la forêt, pareil, très classique comme environnement, elle était présente aussi dans la version Mega Drive. Il y a quelques petites différences, il y a des niveaux en plus, des niveaux qui n'y étaient pas, je pense notamment à la bibliothèque, enfin, c'est pas une bibliothèque, c'est un bureau plutôt. Bon, c'est pareil. Voilà, je pense à tout ça. Mais on verra, hop là, tout ça en temps voulu. Sachant que, je vais faire, je pense, les 3 premiers niveaux dans la première vidéo. Et après, je ferai les 3 derniers dans la seconde. Parce que ça va faire un petit peu long. Sinon, je me sens pas... Je ne sais plus comment on allait par là. Bon, c'est pas grave. Je ne sens pas de faire tout une seule vidéo. Je pense que ça va être un petit peu long. Surtout qu'il est pas impossible que je galère. Comme d'habitude, me direz-vous. Parce que voilà, il y a des passages, je me souviens que je galérais déjà étant petit, alors je pense que là, il n'y a pas besoin que je galère plus, surtout que ça fait quand même un certain temps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Enfin, même un temps certain, je pourrais pas dire exactement combien de temps, mais ça fait un moment. C'est sûr, toc. Donc là, le gâteau, ça redonne de la vie, mais je suis déjà à fond, donc ça va. Tous les 10 000 points d'une vie, donc ça c'est important aussi à savoir, hop. Voilà, je me prends en pleine tête. Alors il y a différents types de power-up, comme là. Le gâteau entier en fait redonne toute la vie. Des fois on tombe sur une part de gâteau, là ça redonne juste une seule étoile. Sachant que là on a que 3 et on peut en avoir jusque 5 qu'on récupérera donc dans d'autres niveaux. Si je les fais toujours dans l'ordre, donc ce sera dans le deuxième et dans le cinquième. Ce qui est profitable surtout dans les derniers niveaux qui sont assez. Je me souviens que le château de Mizrabel, le dernier niveau, donc était quand même assez dur. Donc voilà, je suis pas à l'abri. Je suis pas à l'abri de quelques catastrophes. Oui. Voilà, je me fais des frayeurs sur ce petit passage, des fois, le petit passage de plateforme. Hein. Donc voilà, c'est un jeu de plateforme assez classique. Hein. Pour ceux qui ont connu la version Mega Drive, c'est pas du tout le même jeu. Enfin, c'est pas du tout le même jeu. Les niveaux sont différents, tout est différent en fait. Donc effectivement, ce n'est pas le même jeu. Enfin, c'est le même jeu dans l'ensemble, mais sinon, globalement, c'est comme le premier boss d'ailleurs. Ça, c'est là, c'est un arbre, alors que dans la version, en pleine tête, la version Mega Drive, c'était un morceau de tronc d'arbre qui descendait, si je me souviens bien, un truc comme ça. Hein. Mes souvenirs sont bons. Voilà, et je me suis fait poutrer par le premier boss, hein, qui normalement est extrêmement simple, mais non, apparemment, je sais pas ce qui s'est passé. Premier boss. Tac là. Voilà. Hop là. Je vais pas me laisser faire. Oui. Hop là. Voilà. Il va partir par là. Faut juste faire attention à pas se prendre les feuilles, normalement, il n'y a rien de bien compliqué. En plus, les boss, ils sont assez faibles dans le jeu là, ils se prennent 4 coups, ils sont morts, voilà. Oh bah, j'ai même pas le temps de vous montrer la première gemme qui arrive. Je sais pas pourquoi je dis toujours gemme, le premier joyau qui arrive. La pierre rouge. Voilà, donc j'ai dépassé les 10 000 points, donc j'ai gagné une vie. Celle que j'ai bêtement perdue contre le boss. Donc là, il reste 2 niveaux, donc le monde des jouets et le monde de la boostify. Le monde des sucreries, dirons-nous plutôt. Donc là, voilà, la partie au pays des jouets. Bon, ce niveau était présent aussi dans la version Mega Drive, hein, comme la forêt, mais il est complètement différent. Il n'y a pas, notamment, il y a pas le passage où, en mode inversé où on a la tête en bas et les pieds en haut. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça n'empêche pas qu'il soit très fun. Alors là, du coup, normalement, il faut grimper sur la fumée du train, mais là, je vais aller chercher quelque chose avant. Passage complètement facultatif, mais indispensable. Alors là, une petite astuce avec les avions, c'est qu'ils sont invincibles, sauf si... Voilà, on détruit la télécommande et ça fait tomber tous les avions. Après c'est pareil dans d'autres niveaux, il y a des petites voitures, pareil télécommandées. Sinon en fait les avions sont immortels. Là, on va le voir, toc, voilà. En fait ça fait ça tout du long, au bout d'un moment ils repartent. Mais voilà, on peut pas les buter si on n'est pas... Si on bute pas la télécommande en fait. Petite astuce au passage. Voilà, ma première étoile. Voilà. Ça veut dire que je sais skier, c'est ça? Hop là. C'était totalement pas calculé. Voilà, du coup j'ai... Merde, c'est pour la perdre juste après, c'était bien la peine. Donc voilà, maintenant j'ai 4 étoiles au lieu de 3, ce qui est toujours appréciable.
Voilà, enfin maintenant j'en ai plus que deux. Voilà, j'en ai même plus qu'une d'ailleurs, soyons fous. Non, faut bien que je ramène le... Par contre le clown là, toc. Voilà. Là, on grimpe sur la fumée du train pour aller là-haut. Toc là. Plateforme pas de la même couleur, donc elle tombe. Alors là, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y a pas un truc avec des bulles par ici? Non, c'est plus loin. D'accord, pour faire ça, c'était bien la peine. Hop ça, toc. Alors, il y a très certainement des passages secrets ou des choses comme ça que je vais oublier. Parce que ça fait des années que je l'ai pas fait. J'ai fait l'épisode de Mega Drive il y a pas très très longtemps, mais l'épisode Master System, ça fait quand même des années que je l'ai pas fait. Donc voilà, faut pas m'en vouloir si je rate des trucs, c'est pas forcément fait exprès. Peut-être des trucs qui vont revenir une fois qu'il sera trop tard, comme d'habitude. Oui, c'est la libule. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. Oui, voilà. Voilà, exactement ce que je voulais éviter. Normalement, il faut se servir du petit pot avec le M dessus pour... Voilà, pour exploiter les bulles. Moyen de protection. Et voilà, faut pas juste se jeter dessus comme un bourrin. Hop là. Sachant que voilà, tant que la bulle n'est pas disparue de l'écran ou éclatée, elle réapparaît pas, donc... C'est pareil, c'est bon à savoir aussi. Là, j'attends juste que... C'était... Oui, d'accord. C'est celui dessus qui m'a touché, on est d'accord. Hein. Je pensais que c'était illégal, c'était celui dessous, mais non. C'est celui dessus. Hop là, les clowns, là, dès qu'ils lèvent les bras, ils font tomber des boules. Ils sont pas très très dangereux, en fait, ces ennemis-là. Alors... Alors là, il y a un micmac, si je me souviens bien. Faut pas descendre à l'échelle, en fait. Il faut descendre sur... sur la gauche. Hop là. Parce que l'échelle, ça nous ramène à un endroit plus bas, en fait. Qu'est-ce qui se passe si on tombe dans le trou, là? Voilà, genre comme ça. Ouais, d'accord, c'était bien ça, ça te bloque. Donc là, on est obligé de, hop, de ressortir par là en évitant le petit singe. Le petit singe qui fait des ondes soniques, carrément. Donc là... Oh. Ah putain, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce petit détail. Le petit truc qui te refait tomber, voilà, les plateformes, les trous invisibles. C'est pas mal non plus. Grand classique des jeux vidéo, hein, mais j'avais complètement oublié. Comme je disais, ça fait... je pense que je saute. Merde. Ça voilà, ça donne un peu de points, c'est toujours appréciable. 500 points, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et les grosses, c'est 1000, je me semble utile. Je vous dis ça de mémoire, j'ai jamais fait gaffe en fait. Hop là. Si vous voyez que je dis des conneries, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires ou quoi. Ah oui, je me souviens très bien de ce passage. Il y a une grosse galère après. Ouais. Alors là, c'est là. Là, j'ai risqué de perdre un peu de temps. Un peu beaucoup, même, d'ailleurs. De toute façon, ça servait à rien. Là, je risque de perdre un peu de temps, dans la mesure où je sais très bien que je vais galérer. Voilà, c'est là. Parce qu'il y a le coup du ressort, il faut sauter. Hop là. Le clown. Voilà, il me semble que c'était ça. Il faut sauter et s'accrocher sur une des... Voilà, mais alors je sais plus comment. Il y avait une astuce à la con, en plus. Non, il sortait de l'écran, il me semble. C'est un truc pour le faire sauter plus haut. Est-ce qu'il fallait pas venir avec le petit pot M jusqu'ici, ou avec ça, non? Il y a plus de poids dessus? Non, il y avait un truc important. Je me souviens plus. Ouais. Essayez d'en partir par là pour voir. Il me semble qu'il fallait ramener le... Non, c'est pas ça. Non, je suis sûr que c'était ça en plus. Non, avec ça, ça marche pas. Et ça, non plus. Pourtant, il y avait une astuce avec ça. J'essaie d'appuyer sur le bouton saut en même temps, mais ça fait rien. Qu'est-ce que c'est que cette grosse galère? D'accord. Ah! Ah, ça c'est pas mal ça. Attends, comment j'ai fait? Je ne sais pas. Ah d'accord, ok, j'ai compris le truc. C'est pas un piège ça, on redescend par là en passant par un truc en haut ou... Je sais plus, il me semble qu'il y a un micmac avec ça. J'arrive pas à accrocher les échelles. Je crois que c'est parce que je suis en dehors de l'écran. Et du coup, par conséquent, faut vraiment que je l'attrape sur le bord de l'échelle. Ouais, tant que je suis en dehors de l'écran, en fait, je peux pas prendre l'échelle. Parce qu'elle est considérée, voilà, pas dans l'écran. Il me semblait qu'il y avait vraiment un truc à faire avec le M là. Avec ça. Mettre un pas de forme. Ouais, bon. Tant qu'à faire. Hein. Une astuce, moi je suis. Ouais, non, y'a rien par là.
Je suis passé par en dessous. Non, ça ne passe pas par en dessous. Voilà, j'ai voulu être trop rapide, passer par en dessous, ça ne marche pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Hop là, donc là, hop, on passe par là. Et rebelote, on reprend le petit singe. Tac, on lui donne un petit coup, après il lève ses trucs et il lance son monde. Donc c'est... Putain, oui. Fallait pas rendre l'échelle. Le pire, c'est que je le savais, parce que je l'ai fait il y a 2 minutes et je l'avais très bien réussi. Bref, j'ai plus qu'une vie. Enfin non, non, il me semble qu'après c'est 0. Donc j'ai encore 2 vies, en fait. Donc comme j'ai 18 000 points, j'ai bientôt en avoir, normalement, 20 000. Et ça devrait le faire. Alors... Oh putain, c'est pas possible, je vais me la prendre à chaque fois, cette boule. Une astuce. Le pire, c'est que je sais qu'il y a une astuce avec ça, là. Ouais, Et pire, c'est que je crois qu'il y a une échelle... celle de gauche, je crois. Il faut que j'essaie d'attraper celle de droite. Parce qu'il me semble que celle de gauche... Donc c'est celle de droite, je ne sais plus. Mais il me semble que de toute façon, je suis sûr qu'il y en a une des deux. Qui te ramène... Enfin, qui ramène juste sur un coffre. Et du coup, il faut être obligé de redescendre et de recommencer. Mais c'est pas possible, cette galère, là. Si on saute là-dessus, non, ça marche pas du tout. Non, c'est pas assez loin. Je vais l'attraper par hasard, mais quelle galère, quelle galère. Ah, si on n'est pas pile poil juste en face du cul de l'échelle, ça ne marche pas. Putain, je rage, quoi. Non, juste pour le plaisir du balancer, mais on peut pas le tuer. Tac, c'est vraiment sûr qu'on peut pas... Ouais, non, je vais me faire chier la bite pour rien, en fait. Je vais me faire chier la bite pour rien aussi. De toute façon, je peux pas le ramener par là-bas, parce que je peux pas passer les deux d'affilée. En limite, le premier, oui, mais pas le deuxième. D'accord, ça, c'est fait. Tiens dans ta gueule. Hop. Il n'y a pas de passage secret par là. Bon, D'accord. Bon, bah, je vais essayer de sauter par là. Pourtant, je suis dessus, hein. Je suis à l'arbitre, hein. Comment ça se passe? Putain. Je crois que je suis passé. Oh! Oh! J'ai pas fait exprès. Oui, je l'ai eu. Donc, ça plus à la bonne échelle, parce que l'automne zone est un coffre, il faut me prêter, obligé de redescendre. Ah oui, oui. Ah, la putain. Histoire de la clé, là. Ah oui, maintenant il y a des clés à récupérer aussi. Ah bah non, en fait c'est bon, enfin, fallait passer par là directement. Non, 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 c'est ça. Fallait passer par la droite, parce que si on passait par la gauche, on était baisé à cause de la clé. Ah, celui-là est relativement simple. Hop là. Je vais juste esquiver les boules. On était baisé si on passait par la gauche à cause de la clé. Voilà, c'est parfait. Donc deuxième boss. Voilà, rien de bien compliqué. Hop, la deuxième gemme, je voulais vous la montrer. Enfin, deuxième joyau, pardon. C'est parfait, Mickey a l'air fin content. Allez, là, troisième niveau, je m'arrêterai juste après celui-là. Le monde des confiseries. J'aimais bien, me donner toujours faim quand j'étais petit d'ailleurs, voir le chocolat et tout, là, ça donne encore faim. Donc je me dépêche parce qu'en fait l'écran avance. Pareil, les scrolling automatiques, grand classique des vieux jeux. Hop là. On va faire gaffe à pas glisser. Voilà, hop. Pas se retrouver en bas. Les bonbons et tout, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Ah, ça me donne faim dans les petits gâteaux et tout. Moi. Je suis comme ça. Hein. Ouais. Quand je vois des... Pareil dans les séries, dès que je vois quelqu'un bouffer, j'ai faim. Ouais, c'est comme ça. Tac, même dans un film ou quoi, si je vois quelqu'un bouffer, j'ai faim. Ça, c'est facile, j'ai faim. Voilà. Ça, hop. Bon, je sais pas si j'ai récupéré ou pas au final, mais je pense que oui. Hop là. Voilà, niveau pas très compliqué non plus celui-là. Mais je suis encore capable de perdre une vie ou deux. Pareil, le boss est extrêmement simple. Hein. C'est même le plus simple du jeu, je trouve, à mon sens. Hop là. Ouais, on verra, mais il est plus que simple le boss dans ce niveau-là. Il suffit juste de se mettre à gauche ou à droite et voilà, on l'esquive complètement. Enfin, hop. Hop là. Donc là, faire gaffe. Au truc qui me court après, l'espèce de donut, là, je sais pas quoi. Voilà. Alors on peut tomber dans le lait. Ce n'est pas mortel. J'ai quand même évité de le faire. Là, il faut
Ouais, j'ai raté, hein, faut rebondir sur le dauphin. Voilà. Donc cette ennemi, je peux sortir là. Mais moi, le dauphin, il m'emmerde plus. Ouais, le lait n'est pas mortel. Contrairement à beaucoup de héros de jeux vidéo, Mickey sait nager. Ok, pas de problème. Après, je crois que j'arrive au boss. Non, il y a encore ce monde là d'abord. Ouais, moi j'ai passé en vitesse. Ça passe. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Enfin, j'ai perdu de la vie bêtement, là, j'avoue, franchement, oui. Peut mieux faire, quoi. Donc là, faut tout de suite redescendre à gauche. J'ai vu venir. Ça m'apprendra de... Voilà, c'est parce que j'ai voulu aller trop vite, du coup, on m'a puni. Là, ça m'apprendra de vouloir aller trop vite, encore un coup. Ça m'arrive souvent, hein, de me faire baiser parce que je veux aller trop vite. Hop là. Bon, on se fout, c'est pas très grave, hein. Hop là, donc là, hop. Il y a un truc là-haut à récupérer. Oui, il y a des coffres, c'est bien ce qu'il me semblait. Un gros gâteau, des pièces. Hop là. Il me semblait qu'il y avait des... Je viens de réfléchir à un truc, il me semblait qu'il y avait des coffres cachés, un peu comme dans DuckTales, où il fallait sauter à certains endroits pour les dévoiler. Il me semble, je suis pas sûr. D'ailleurs, j'ai aucune idée s'il y en a vraiment, et si où est-ce qu'il se trouve. Il me semble, je suis quasiment sûr de ça, il me semble me souvenir des coffres qui apparaissent comme ça. Dans DuckTales, c'est sûr, mais dans celui-là, pourtant il me semble bien couillant. Hein. Ah, on va arriver au boss. Super simple, en fait. Ah oui, non, non, faut lui garrotter les trucs. Alors, il faut juste aller à gauche ou à droite. Voilà. Et il se reconstitue, en fait. Il va taper dans le mur, faire tomber trois blocs, dont un qu'il faut ramasser pour lui balancer dans la gueule. Et après, il se reconstitue à gauche ou à droite. Et en fait, donc, du coup, comme on peut le toucher sans, voilà, sans prendre de dégâts, il est extrêmement simple à séparer. Voilà. Les trois blocs, qui tombent. Hop, voilà. Le temps qu'il se défasse et qu'il se refasse de l'autre côté. C'est plus long, je dirais, c'est d'attendre qu'il se refasse. Mais voilà. C'est un boss extrêmement simple. Voire même simpliste, comme je dirais. Pas tellement de stratégie, quoi. C'est voilà, le gauche, la droite. Bon, une fois qu'on connaît, tant qu'on connaît pas le truc, c'est vrai que c'est assez chiant d'esquiver tous les petits morceaux de chocolat, mais il faut qu'on connaît le truc. Ou même à la limite, la rester tout à droite, ça suffirait largement. On a le temps de revenir, de lui balancer dans la gueule, puis d'aller se remettre de l'autre côté après. Je veux dire, c'est voilà. C'est pas insurmontable comme boss, quoi. Toc. Voilà. Donc là, ça va être le dernier coup. Après, je pourrais récupérer la troisième gemme. La troisième joyau. Je vais y arriver, hein. Plusieurs gemmes, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Du coup, je crois qu'il explose. Ouais, voilà. Il se décompose. Voilà. Je fais sauter mon Mickey, il est content. La jeune. Voilà. Parfait. Et deux, trois. Je récupère une vie en plus, hein, il me semble. J'ai entendu le bruit, non? Ou j'ai rêvé, je ne sais pas. Voilà. Troisième mur. Muré. Enfin, troisième porte murée, pardon. Là, il y a une échelle qui monte. Ah non, je peux pas aller à droite, hein, c'est mieux ce qui me semblait. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. On se retrouve très vite donc pour la suite et pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. N'hésitez pas à communiquer avec moi, c'est important. Et on se retrouve très vite. Allez, salut !